Aujourd'hui, on va voir comment prévoir la valeur réelle d'une somme d'argent qui dort dans un compte en banque. Une même somme d'argent n'a pas la même valeur à des dates différentes. Par exemple, 100 euros aujourd'hui vaudra 98 euros dans un an si on tient compte d'un taux d'inflation de 2%. Pour calculer cette valeur à n'importe quel moment, vous pouvez simplement appliquer la formule Cn égale C0, facteur de 1 plus i puissance n, en remplaçant simplement le i par moins 2%. Cela revient à dire que si vous laissez une somme d'argent dans un compte bancaire, eh bien, chaque année, cette valeur perd 2%. C'est comme si vous placez une somme d'argent au taux d'intérêt négatif de 2%. Allez, on va faire un petit exercice. Vous avez par exemple à des dates différentes des sommes d'argent différentes. Il s'agit simplement de comparer ces sommes en tenant compte de l'inflation. Vous avez actuellement 20 000 euros, dans 10 ans 18 000 euros, dans 20 ans 15 000 euros. Alors, c'est quoi la valeur la plus élevée de ces trois? Donc, il s'agit de comparer ces trois valeurs en tenant compte de l'inflation. Quelle est la valeur la plus grande parmi les trois? Pour cela, bien sûr, il faut ramener ces valeurs à une date précise parce qu'on ne peut pas comparer des valeurs à des dates différentes. C'est pour ça que soit on va capitaliser ces valeurs à une date future ou bien les actualiser à leur valeur présente. Donc 20 000 euros, c'est la valeur présente actuellement. On va actualiser 18 000 euros et 15 000 euros pour savoir c'est quoi leur valeur actuelle en tenant compte de l'inflation. Alors, pour 18 000 euros, la valeur actuelle, c'est 18 000 euros fois 1 moins 2% puissance moins 10. Donc, ça fait 22 000 euros 29,86. On va faire pareil pour 15 000 euros. Donc, la valeur présente de 15 000 euros, c'est 15 000 euros facteur de 1 moins 2% puissance moins 20. Donc, ça fait 22 468,27. Donc, vous voyez que la valeur la plus élevée, c'est 15 000 euros. Ce n'est pas 20 000 euros, mais c'est 15 000 euros dans 20 ans. Et la deuxième valeur, c'est 18 000 euros et puis 20 000 euros. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.